Nous venons de procéder au lancement de la distribution des kits de soins obstétricaux néonatal d'urgence, c'est-à-dire pour la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement, éventuellement du nouveau-né. Tout cela, c'est dans le souci d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes si chers au président de la République, le général de corps d'armée, son Excellence Mamadi Doumbouya. Il y a de cela quelques temps, nous n'avions pas de kit dans nos structures sanitaires sur l'étendue du territoire national. Ces kits étaient reconstitués malheureusement à partir de stocks de médicaments disponibles dans les structures sanitaires. Et aujourd'hui, grâce aux efforts du CNRD et du gouvernement, nous avons pu avoir à disposition plus de 40 conteneurs de kits de 40 pieds permettant d'approvisionner toutes les structures sanitaires du pays. Et d'ailleurs, j'en appelle à la responsabilité du personnel de santé, surtout des responsables des structures sanitaires, de veiller à l'application stricte de la gratuité de la césarienne dans les structures sanitaires. Les femmes ne doivent pas payer pour l'accouchement. L'inspecteur général de la santé et son équipe veilleront à ce que cette gratuité soit vraiment effective. Des missions de supervision seront organisées sur l'étendue du territoire national pour veiller à l'application stricte de cette mesure.